Donc, je m'appelle Alexandra Dorvert, je suis française. Je suis arrivée en Corée il y a 11 mois, donc en août 2007. J'ai d'abord adoré le pays parce que tout le monde est adorable avec nous. Donc les Coréens, on est perdus, ils viennent nous voir, ah, vous voulez de l'aide. Ils sont gentils, toujours adorables avec les étrangers. Ça fait 6 mois que je sors avec un Coréen et mon avis a changé. Je ne sais pas s'ils sont gentils avec les étrangers ou ils sont juste curieux de ce que c'est que l'autre. Et après avoir vu, ils ont tendance à pas être vraiment intéressés. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont nous prendre entre quatre yeux, nous poser beaucoup de questions et ensuite partir. Et juste en ayant pris beaucoup et en ayant jugé aussi beaucoup, je crois. Ici, je pense qu'ils sont à la fois extrêmement curieux. C'est un pays qui a été fermé pendant très longtemps. C'est une île, la Corée, puisqu'elle est fermée au nord. Et qui fait effectivement est très curieux de l'autre et qui est très prompte à s'adapter extrêmement rapidement. Ensuite, je ne sais pas jusqu'à quel point ils nous considèrent comme des égaux. Je crois que les Coréens ont cette fierté nationale d'être un peuple unique et seuls les Coréens peuvent comprendre les Coréens. C'est-à-dire que même lorsqu'on apprend la langue, en fait, plus j'y pense et plus je me rends compte que finalement, apprendre la langue, c'est à la fois un atout et à la fois... Quand je suis arrivée au début et que j'aimais tellement ce pays, les Coréens ne comprenaient pas et je ne comprenais pas pourquoi ils ne comprenaient pas. Et je crois que le fait qu'on puisse aimer la Corée sans être coréen leur paraît un mystère et une erreur. Ils ont l'impression que parce qu'on est étranger, donc là je vais dire blanc parce que c'est mon cas, je pense que si on est asiatique, il y a quelque chose de différent pour eux puisqu'on se ressemble. Donc quand on est étranger, on ne peut pas comprendre la Corée. Donc le cas du Han est intéressant, le Han, le sentiment national. Les Coréens diront, de toute façon, on peut vous expliquer mille fois, c'est intraduisible, et seul un Coréen peut le comprendre. Ils pensent aussi que les Kyopo et que les adoptés sont inclus dans le lot, c'est-à-dire qu'en Corée, l'idée, finalement, ce à quoi on arrive, c'est l'idée du sang. Donc si on a du sang coréen dans les veines, on peut comprendre la Corée. Si on n'en a pas, on ne comprendra jamais, même si on est né en Corée, même si on a appris la langue coréenne pendant des années, même si ça fait 20 ans, 30 ans qu'on habite ici. Si on a du sang coréen, on comprendra. Si on n'en a pas, on ne comprendra pas. La question du sang pur en France a été tellement criminelle et tellement atroce que maintenant c'est tabou. On ne peut pas parler de sang pur. Et en France, de toute façon, c'est vraiment ridicule. Ici, ça l'est d'autant plus qu'ils ont la marque, une des marques d'un corps coréen. Ça s'appelle la tache mongolienne. Donc ça porte bien ce nom, ça vient de l'invasion mongole. Mais les Coréens continuent à soutenir qu'ils ont un sang pur, qu'ils ont été envahis par les Japonais, par les Chinois, par les Coréens. Mais bien sûr, il n'y a jamais eu aucun mélange de sang, jamais aucun couple mixte. La tante donc, de mon copain lui a dit que si on avait des enfants ensemble... Le premier enfant serait normal et tous les autres enfants seraient des enfants dégénérés. Ce qui en France est quand même... Enfin, on ne peut pas dire ça, c'est vraiment pas possible d'arriver à dire des choses pareilles. Elle lui dit, ah, t'étais pas au courant que si t'as des enfants avec lui, ils seront dégénérés. Et elle lui a dit, si tu te maries, elle lui a dit avec ces mots-là, si tu te maries avec une blanche, là, c'est la fin du sang pur, du sang coréen dans la famille. En réalité, je crois qu'au fond, ce qui inquiète vraiment les Coréens avec les étrangers qui aiment leur pays... et qui aiment la langue, par exemple, je crois que le fait qu'on apprenne la langue les ravit et en même temps les terrifie, parce que ça veut dire que d'une part, d'autres personnes peuvent apprendre le coréen et pas seulement les Coréens peuvent le comprendre, et qu'en réalité, cet étranger, je crois qu'ils se servent de l'étranger pour prouver le fait que les Coréens sont une race à part, et que le fait qu'un étranger puisse parler la langue, puisse comprendre les coutumes, puisse manger du kimchi sans problème, au petit déjeuner aussi, les terrifie, parce que peut-être qu'en réalité, les Coréens ne sont pas si uniques que ça et qu'ils sont juste... un peuple qui appartient à un pays, mais... Et je crois qu'en réalité, l'étranger, ce que leur envoie à l'étranger, ce qui les fait complètement paniquer, c'est qu'ils sont tout à fait communs et qu'ils ne sont pas une race à part. Donc c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée à la fin de mon séjour ici, qui est à la fois douloureuse et à la fois... Bah, j'espère qu'il y aura... Je crois qu'en réalité, il y a une prise de conscience. En même temps, ils sont aussi dans le déni. Il n'y a pas de concept de racisme ici, donc ils ne peuvent pas être racistes, ce n'est pas possible. Je crois que c'est un mot qui n'existe pas en coréen. Mais tout ce qui n'est pas coréen est Wegook, donc étranger. Je ne sais pas si la Corée va suffisamment s'ouvrir ou pas. J'ai rencontré un Américain il y a peu de temps dans le métro qui m'a dit « Moi, dans 2 ans, je dis qu'il n'y a plus d'étrangers en France parce que tous les papiers ici sont extrêmement compliqués. Pour obtenir un visa, ça devient compliqué. Pour ouvrir un compte en banque, c'est l'horreur. Avoir un téléphone portable, c'est l'horreur. Nous, ça a été le parcours du combattant. Je ne sais pas si la Corée ou pas va s'ouvrir avec le nouveau président qu'ils ont apparemment. Il n'est pas très... pour l'arrivage d'étrangers en masse dans le pays.
Donc je sais pas comment ça va se finir, si, ça, si la Corée va se fermer ou va s'ouvrir. Au fond, je pense qu'elle s'ouvrira aussi parce que c'est irrémédiable de toute façon. Enfin, plus les transports augmentent et plus l'afflux d'étrangers est facile. Et de toute façon, je pense qu'il y a quand même un amour de l'autre ici, quand même. Ils ont le Jang c'est l'amour du Coréen, mais aussi de l'être humain. Je crois qu'il y a un grand amour de l'autre et qu'effectivement, ils nous laissent pas tout seuls. Ils se moquent de nous, mais enfin, ils vont pas nous laisser en problème. Ils vont faire beaucoup de choses pour nous aider, mais ils nous aident parce qu'on est différents. Et au bout d'un moment, c'est fatigant. En même temps, je crois qu'il y a quand même effectivement un amour de l'autre, parce qu'il est humain. Parmi les Coréens eux-mêmes, il y a scission. Cela comprend les adoptés, les Kyopo et les voisins nord-coréens. On appelle Kyopo les Coréens émigrés vivant dans un autre pays. Quant aux adoptés, de par le passé douloureux de la Corée, ils représentent une grande partie de la population d'origine coréenne à l'étranger. 이발가와 교포는 한국 사람이 아니고 그 북한 같은 경우에는 좀 신중을 기여해야 한다고 생각을 해요. 그 교포하고 그 입양 같은 경우에는 그 물론 이유가 있고 그 상황이 있어서 물론 이렇게 한국에서 태어나지 못하고 다른 곳에 태어났지만 일단 문화 그 사회가 다르기 때문에 또 사용하는 언어가 다르기 때문에 그리고 이제 그 풍습하고 그 문화 같은 경우에도 어렸을 때 그게 다르게 배웠기 때문에 그러한 이유 때문에 이렇게 동일한 한국인이라는 시각을 갖지 않고요. 북한 같은 경우에는 지금 전쟁이 잠깐 종료된 거거든요. 종료된 거라기보다는 잠깐 휴식 단계이기 때문에 같은 민족으로 보고 있어요. My name is John Vinoyan. I'm from America. I've been to Korea 6 times, and in terms of facing racism, I think it's very subtle. I have 2 issues with myself, one being disabled, 2 being Korean adoptee. In terms of being disabled, facing racism, obviously they could see my disability when I walk down the street. I use the crutches to walk, and people can't see me. I do get a lot of stares. Mainly, I think they're kind of curious. Also, they really don't see disabled people out in the street. And so I do get a lot of stares and a lot of looks, both from all ages and young kids to older grandmothers or grandfathers. Most of them, they just kind of look at me, and maybe sometimes they do shake their head, look me up and down because of my disability. So I think I do face racism in Korea because they're not, society-wise, they haven't really addressed the issue of how to deal with disabled people. So I think there is that issue there. Number two, in terms of adoptee, they don't know I'm an adoptee until I tell them that I was adopted out. There are 2 reactions, I think. One, first reaction is they feel sorry for me because I was adopted out, and for whatever reasons, they feel sorry for me. On the other hand, they react in terms of I'm a little different as an adoptee, that I can't speak their language. Also, I speak English. So that sense, they kind of feel that a little awkward and show a little discrimination towards me as an adoptee. And I do face that once in a while when I start talking to them in a little bit of Korean, and then they realize something different with me. So I think there is that racism in Korea overall, but it is a subtle. They don't know how to address it as a society-wise. In America, I think, you know, they're more advanced in terms of facing racism with disabled people, with people of different colors and different race. But in Korea, again, it's a very homogeneous society. So when they see something different,
They're either curious or they dislike somebody who is different. I think that's a big point in Korea because it's a homogeneous society. Anything different, they don't like that. It brings about discomfort to them when something is different. I think it comes from Confucius' value that there had to be, everything has to be harmonized and in one race. But when there's a something different out of harmony, such as my disability or because I've been adopted out, it does bring about discomfort. And I think that brings about somewhat of a different reaction to Korean society. So I think because of that discomfort and not being aware of different issues, I think it brings about some of the racism or different reaction towards the people with different differentness. So I think there is a racism in Korea, but it's subtle. You have to see it. I think I see a lot more like on the streets when I try to get taxi by myself with my crutches. I do face some racism there because they don't want to pick me up. In that sense, I do see it. But other times there are people who are kind, wants to help me when I go up the stairs from the subway, so I'm trying to get on the bus and give me a seat. So, and there are both sides. So, that's my story. Et puis, parmi les Coréens, entre les Coréens, on dit que, même si on n'en parle pas, même si on n'affiche pas ce problème ouvertement, là, et tout le monde ne veut pas être concerné trop, ce genre de choses. Mais on sait que les Coréens sont vraiment, on peut dire, racistes vis-à-vis des étrangers. On dit comme ça. Surtout en prenant comme exemple que, comme vous le savez bien, les Chinois dans le monde entier, ils vivent de toute façon, ils survivent, ils vivent et puis ils se débrouillent très bien. Okay? Par plusieurs raisons de leur immigration, les Chinois, ils forment tout de suite après de leur immigration, ils forment une communauté, ils forment le quartier chinois, et puis surtout ils occupent la restauration de façon très active. Et puis là, tout de suite, ils se font reconnaître par leur cuisine, etc. Donc la communauté chinoise dans le monde entier, quand même, ça c'est très solide. Mais les Chinois disent que la Corée, c'est le seul pays, le quartier chinois n'a pas bien tenu.